Aujourd'hui, nous allons étudier les catastrophes naturelles et leurs effets tels qu'ils sont compris dans le contrat d'assurance habitation. Dans un premier temps, rappelons que la garantie catastrophe naturelle est en réalité une sous-garantie de la garantie globale, la garantie incendie, qui est elle-même présente dans le contrat d'assurance multirisque habitation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? C'est un événement catastrophique provoqué par un élément naturel. On peut citer par exemple les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Ces catastrophes naturelles sont constatées par les pouvoirs publics qui prennent des arrêtés qui sont ensuite publiés dans les différents journaux officiels et notamment le bulletin officiel. Les effets des catastrophes naturelles sont des effets matériels non assurable provoqué par justement cet effet anormal d'un agent naturel, cet effet catastrophique d'un agent naturel. Depuis 2002, nous pouvons considérer que les affaissements de terrain sont compris dans la garantie catastrophe naturelle, mais les calamités agricoles, elles, restent non assurées par la garantie catastrophe naturelle, ou plus exactement par la sous-garantie catastrophe naturelle, puisqu'ils sont compris, donc les calamités agricoles, dans un fonds de solidarité particulier, tout simplement.